Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder comment level designer une pièce spécifique. Ici, ça va être ma chambre avec OpenBrush. Comment ça se passe? Premièrement, nous allons un peu voir SRC Copy. Donc ici, on a SRC Copy que vous pouvez télécharger sur GitHub. Si je lance ça, on va pouvoir voir ce qui se passe sur mon casque. Le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir vous montrer ce qui se passe sur mon casque via le Wi-Fi pour pas devoir être câblé. Alors, hier, on a vu un peu SideQuest qui permet de pouvoir faire tout ceci. Mais ici, nous allons regarder un peu plus en ligne de commande parce que SideQuest n'est pas toujours idéal. Admettons que je veux le faire en ligne de commande. Qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire ceci. Nous allons éditer ici. Comme ceci, un fichier batch, et on va dire, peux-tu descendre de 2, de 1, parce qu'on n'est pas dans le bon dossier, on va aller ici. Peux-tu descendre de 1 étage, appeler SRC Copy, lui dire qu'on n'a pas besoin, qu'on a besoin du clavier, puisque ça, on ne sait jamais qu'on veut cliquer. On veut l'écran principal, nous n'avons pas besoin de la source d'audio ici. On veut l'orientation qui est normale, on veut une résolution maximum de 1024 et on veut un framerate de 20. Vous vous souvenez qu'hier je râlais sur SideQuest qui n'avait pas un truc qui automatisait le fait de sauvegarder ça. Mais voilà, ici il me suffit de faire ça et c'est fait. Donc ici on va pouvoir, du coup, vous voyez, lancer mon œil gauche par exemple. Voilà. Et si je veux mes deux yeux, je vais pouvoir lancer mes deux yeux. Vous voyez l'idée? C'est très pratique. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de câble. Ici, hop, 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 il n'y a pas de câble. J'essaie de vous montrer, mais... Tadam! Pourquoi est-ce que j'ai pas de câble? La raison est simple. Hop, 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 je vais fermer ça. C'est parce que, ici, j'ai pu faire une connexion Wi-Fi. Alors, à quoi ça ressemble? Si vous voulez faire ça en ligne de code, en ligne de fichier batch, qui est un truc de Windows basique, hein, vous n'avez pas nécessairement besoin d'être développeur pour comprendre un batch, c'est juste 2-3 lignes et il faut le regarder un peu sur Google comment ça marche. Mais ici, on dit juste descendre 2 étages, parce qu'on est dans le dossier Wi-Fi et on veut aller dans le dossier SRC Copy. Affiche-moi les appareils qui sont connectés. Essaye de te connecter à l'appareil qui est présent. Attends un tout petit peu, affiche-moi l'adresse IP. Puis ici, on va lui demander, c'est ChatGPT qui m'a pondu ça, on va lui demander d'entrer l'adresse IP. Une fois qu'il me donne l'adresse IP, on va lui demander de se connecter à l'adresse IP du casque. On attend quelques secondes, on affiche les devices pour dire que tout s'est bien passé, et puis on quitte la console. Je vais devoir aller fermer mon appareil pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Donc je vais faire CMD. ADB disconnect, parce qu'en fait ici si je vous montre ADB device, on voit que je suis connecté par Wi-Fi. Donc si je fais ADB disconnect, disconnect, ceci, vous allez voir que maintenant on n'a plus de casque. Ok, donc je le branche, ceci, attendez, yup, yup, yup. Ça arrive, hop, 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 voilà. On voit que mon casque il est connecté en filaire. Donc du coup, je vais pouvoir aller dans, hop, Wi-Fi. Je lance le fichier batch. Il me dit, bah ouais, t'as un truc en filaire là, apparemment. On va se connecter à ce port-là. On va lancer un serveur, on va se connecter à ce port-là. Ton adresse IP, apparemment, c'est celle-ci. On va prendre l'adresse IP. Il me demande entre l'adresse IP de l'appareil, on va dire oui, ceci. Et il va me dire, ah bah c'est bon, t'es connecté, ça s'est bien passé, et voici les deux appareils qui sont connectés. Vous voyez que j'ai mon filaire parce que je suis toujours connecté, et l'adresse IP parce que je suis connecté au Wi-Fi aussi. Alors, si je mets ici ADB device, ADB, ah non, c'est pas ADB device, mais ADB, qu'est-ce que je pourrais afficher? N'importe quel commande ADB, ça va pas normalement fonctionner parce qu'en fait j'ai deux casques qui sont connectés, donc je vais débrancher mon filaire. Voilà. Donc maintenant si je fais ADB device, on devrait voir que mon adresse IP. Tadam! Donc maintenant en fait il va considérer que ça c'est un téléphone et que quand je envoie une commande, c'est celui-là qu'on veut en particulier.
Donc maintenant qu'il est connecté en filaire, je vais pouvoir lancer ce que je vous ai montré ici. Voilà. Qui est ma vue. Ok. Voilà. Mes belles mains, ma belle pièce. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller prendre les calibrations de ma pièce avec OpenCV. Donc vous n'allez plus beaucoup m'entendre. Je ne sais pas à quel point on va m'entendre dans le micro. Donc je vais continuer à parler, mais je ne suis pas sûr que vous allez m'entendre durant toute cette prise. Donc on va essayer. Alors. On le casque, on le dessert, on essaie de le taper correctement sur ma tête pour être agréable et la voir au-dessus de mes yeux, comme ceci. Ok, je vois bien ma vue, bien vue chez moi. Ok, alors, première chose à faire, hop hop hop, j'ai presque plus de batterie. Voilà. Je charge mon casque pour que mon casque charge l'appareil, le casque qui charge. Alors, on va devoir lancer OpenCV, qui je crois a été installé hier sur mon appareil. Donc on va regarder. Alors ici il me demande. Je vais prendre ma chaise déjà, je vais prendre ma chaise. Il me demande de faire les frontières. Donc ici on va dire OK, créer une nouvelle. C'est-à-dire que je veux choisir ma propre frontière en room scale. Bon, je dépose sur le sol. Ceci. Ok. Il me dit bah, tu peux dessiner l'endroit où tu veux jouer. Bah, moi, je veux jouer tout dans cette partie ici. Je le mets au-dessus des murs parce qu'en fait, j'aime pas quand j'approche un mur et je vois le mur. J'aime bien rester immergé dans mon monde. Voilà. Alors, il me lance Plunk alors que je ne lui ai pas demandé Plunk, c'est pas grave. Voilà. Alors, nous, ce qu'il nous faut, c'est un truc qui s'appelle OpenCV. Open Brush, ici. Pardon. Open Brush, voilà. Ok, on lance Open Brush. Il nous dit Spatial Data, oui. Ok. Alors voilà à quoi ça ressemble OpenBrush. Vous avez deux petits joysticks, deux petites mains, et vous pouvez voir que. Alors j'ai pas fait le tuto, donc à mon avis, il va me demander de faire le tuto. Voilà. Il demande de faire un nouveau sketch. Ça ressemble à ci. Vous avez des outils ici. Avec le petit joystick, vous pouvez hop, tourner. Et je vais pouvoir dessiner. Comme vous pouvez voir. Alors, en fait, l'avantage de la VR, c'est que je sens la profondeur, donc je peux vraiment tourner autour, ici, comme ceci. Tadam. Voilà. Ok. Tadam. Alors, le truc, c'est que vous allez me dire, ouais, mais c'est quand même, c'est pas quand même mieux d'avoir la réalité augmentée. Alors, l'idée, c'est qu'il y ait une option de réalité augmentée. J'oublie toujours où elle se trouve, donc on va essayer de la chercher. Je crois que c'est dans Environnement. Puis ici, on prend le petit casque, et voilà. Tadam! Donc, admettons que je veux dessiner un petit cœur. Et voilà. J'ai un magnifique petit cœur. Je peux tourner tout autour et tout. Cet outil est extrêmement pratique pour le level design parce que, comme vous pouvez vous douter, admettons que je veux faire du level design, je peux dire, bah, en fait, ici, on aura un petit arbre. Ici, on aura notre château. Comme ceci. Voilà. Sur notre château, on aura ici des bordures. Voilà. Et on aura un gros canon ici. Qui tire. Voilà. Et ce gros canon, en fait, il vise vers le joueur. Et on a un petit portique ici. On a ici une zone avec de l'eau. On a un petit pont là-bas, comme ceci. On a notre eau qui fait ceci. Comme ceci. Ok, donc là, ça va être plus ou moins notre zone de jeu. On va avoir un petit château, on va avoir un petit canon, un arbre. Ici, on aurait peut-être 2-3 rochers. Ceci. Voilà. On pourrait peut-être mettre deux gardes ici. Voilà.
Donc voilà, basiquement, ça sert par exemple à pouvoir faire du level design comme ça. Donc je peux prendre maintenant mon casque et le donner à quelqu'un d'autre et il va pouvoir continuer le level design. Si je veux effacer, je prends la gomme. Ici, voilà. Si je veux être très précis, je peux prendre la latte ici. Et donc du coup, quand je vais prendre la latte, vous voyez que maintenant ça devient droit. Ici, ça devient quelque chose de droit. Maintenant, si je veux avoir l'affichage de la latte, je crois qu'il faut que j'aille dans les préférences de l'application. Comment est-ce qu'on fait ça encore? Je crois que c'est ici. Allez, la latte, je les mesure. Voilà, vous voyez ici, j'ai les mesures. Super pratique. On va gommer. Ok, on va prendre la latte. Ok, maintenant, le but du jeu, c'est de faire une application qui tourne dans cette pièce-ci. Donc, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre la latte. Je vais prendre une couleur spécifique, alors je sais pas moi, le tape, voilà. Ok, CTRL Z. On va prendre une couleur rouge. Ici. Ok. Donc, déjà j'aurais besoin de savoir où est ma porte. Donc, de ici à ici, c'est ma porte. Voilà, comme ceci. Voilà. Ce que j'ai ici, c'est de là à là, j'ai mon vent. Ici. Attention que ce n'est pas totalement précis. Vous voyez, si je bouge ici, c'est là, mais ce n'est pas totalement là. C'est à 2-3 cm près, ce n'est pas précis à ce point-là. Alors, je vais avoir mon lit. Mon lit qui est de là à là, de là à là. Ici, voilà, je vais avoir mon tableau blanc qui va de là jusqu'ici, jusqu'ici, voilà, ok, une information assez essentielle finalement c'est le sol, donc je vais de là à là, ça a l'air de droit, plus loin. Vous voyez que ma chambre fait 3 mètres apparemment, 3 mètres 10 de haut. Je vais avoir besoin de mon mur ici. On va faire ceci comme ça. Ok, donc ma chambre fait 6 mètres 64 plus ou moins. Sur. Et alors j'ai pas regardé la distance, du coup je la refais juste pour voir la distance. On va 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 6 mètres, plus ou moins 8 mètres de distance. Hop. Voilà. Donc là on a la hauteur, on a les deux mesures ici. Admettons, j'ai ce truc là qui est important. Ceci. De là. À là, là, à là, là, à là, là, à là, pareil de l'autre côté, ceci. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous pourriez demander à Facebook de le faire à votre place avec le nouveau système qu'ils ont. Ici, comme ceci. Parce que nouveau, ils ont un système qui le fait pour vous, mais automatiquement, mais il ne le fait pas aussi précisément qu'un humain qui vient choisir vraiment ses mesures. Bien que, hein, quand même, il y a des fois où c'est pas le mieux. Yop. Comme ceci. Si. Ok, donc pour l'instant, on a notre lit, on a notre table, on a notre banc, on a ça, on a. Le fameux truc ici qu'il faut éviter, on a notre fameuse porte. Limite, ici on a un tableau d'affichage qu'on peut mettre dedans. Alors peut-être que celui-là j'aurais peut-être dû le mettre dans une couleur différente, juste pour dire que c'est un tableau d'affichage et que c'est pas une partie de la pièce ou du mur. Voilà, il nous faudrait notre pièce, notre fameux. Alors, combien de distance ça fait ce truc? Hop, on va de là. Voilà, ça fait 2m11 sur 2m7. Voilà.
On a de la profondeur qui va jusqu'ici. On a de là, jusque là, de là, hop, hop, hop. De là, jusque là, de là, jusque là, de là, jusque là, hop, hop, hop. Comme ça, histoire d'être sûr d'avoir tout. Voilà. Alors, on est bon. A priori, il n'y a pas besoin d'aller chercher ici, de faire ceci, là, parce que de toute façon, on devine ce qui se passe là-bas. Ok. Donc, on a notre fenêtre. Limite, on peut mettre ce truc-ci. Et hop, hop, hop. 3m10, ce truc, apparemment. Voilà, et on va aller chercher le petit bout là-bas. Donner un peu la longueur, c'est combien? 60 mètres. Ok. Voilà, voilà. Donc on a notre porte, on a notre fenêtre, on a ceci. Alors, si vous deviez prendre cette chaise-là et vous êtes sûr qu'elle ne bouge pas de place, vous avez trouvé un autre exemple. Je réfléchis. Alors voilà, par exemple ça. On va prendre cet exemple-là. Admettons que vous avez un objet qui, lui, n'est pas droit. Il est courbé. Et relevez ça. On va prendre un autre. Non. CTRL Z, CTRL Z. Alors CTRL Z c'est. Comme ceci. Voilà. Light. Alors vous prenez ça et vous faites ceci. Voilà. Ça, on a pris ma lumière. Si je vais prendre mes écrans, ben je reprendrai l'autre. Voilà, on va prendre les écrans. On va dire que ça va de là, là. Si celui-là il est courbé, là, mon fameux truc ici. Désolé pour le micro. Ici, on a un petit problème, c'est qu'il est courbé. Donc, on va faire une mesure sur le côté. On va demander d'arrêter de prendre ça. On va mettre notre doigt. Ce que je fais généralement, c'est que j'utilise mon doigt. Ici. Je frotte sur l'écran. Voilà. Bon, c'est pas idéal, mais bon. Voilà. On a nos écrans. Ici, limite on peut mettre le micro. Voilà. Donc voilà, ça c'est par exemple mes mesures de la pièce. Admettons que je veux faire un jeu de drone. Je vais changer de couleur, je vais mettre du vert, comme ceci. Et je vais pouvoir dire que. J'ai pas pris. Si, je l'ai fait. Admettons que je voudrais faire un jeu de drone, je pourrais faire ceci. Il doit passer par ici. Il doit passer par là. Comme ceci. Puis il doit passer par ici. Là. Passer par ici. Ici. Voilà, puis il doit repartir par là-bas, comme ceci. Il doit arriver là-bas, comme ceci.
Alors ici, on va dessiner le tracé du coup. Départ ici. Voilà, on veut qu'il vienne là. 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 Ici, comme ceci. Il vient par là-bas. Il vient par ici. Par ici. Il vient comme ceci là-bas. Et hop, comme ceci, et qui reviennent là-bas. Ok. Donc du coup, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de dire qu'il faut mettre genre un truc comme ceci. Yop. Et voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 14. Voilà. Donc en gros, notre utilisateur devra passer dans le 1, puis dans le 2, dans le 3, dans le 4, dans le 5, puis dans le 6, 7, voilà, faire un petit tour ici et repartir. Alors le truc, c'est qu'il faudrait peut-être un point de départ, c'est-à-dire un truc où ça permet de calibrer. Alors le truc, c'est que ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de déposer votre manette ici et de déposer votre manette là-bas. Ceci, pour dire qu'on va calibrer la pièce. Voilà. Vous voyez qu'elles sont traquées, mais elles ne sont pas totalement bien traquées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux couleurs. Pour du jaune. Et on va dire, ici, c'est une manette. Ici, c'est une manette. Ce qui fait que théoriquement, si je fais ceci comme ça dans le jeu, on va demander au développeur de pouvoir charger cette scène-ci. Alors, si le joueur il a pas de manette et qu'il a une main, d'accord, ce qu'on peut faire, c'est par exemple lui demander de mettre sa main ici. Donc, ceci. Voilà, on va dire you là-bas. Ceci. Donc s'il met sa main là, ça veut dire qu'il veut charger une scène. Et alors pour pouvoir donner vraiment plus de détails. À ce moment-là, tu vas devoir venir mettre sa main là-bas. Alors, il faut un endroit qui soit facilement repérable. S'il fait ça, techniquement, on a le mur ici. On a la main, on a sa hauteur. Donc ça devrait être bon. Sauf que le problème, c'est surtout la rotation qu'on n'aura pas facilement. Parce qu'en gros, ici avec sa main, c'est cool. Mais il nous faut un autre truc qui nous permet de dire, oui, mais... En gros, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre la scène. S'il met sa main là, comme ça, on va repérer grâce à sa hauteur ici. Vous voyez, si je fais. Je prends ça, comme ceci, et que je dis que de là à ici, c'est le sol, on voit que le sol est à 2 mètres, à 2 mètres 10. Donc 2 mètres. Hop, 2 mètres 10. Okay. Donc en gros, ça veut dire que ici, la personne va mettre sa main ici, on va mettre une petite affiche. Donc on sait que c'est ce niveau-ci qu'on va devoir charger, à cause du fait que c'est à 2 mètres 10. On sait que ça va être par ici, il faut charger le niveau. Le problème, c'est que pour pouvoir mettre l'orientation, vu que la main n'est pas super précise, ça veut dire que ça va faire comme ceci. Donc ici, il faut qu'il mette sa main ailleurs pour pouvoir dire, ben, en fait, de là à là, on va repositionner la chose. Donc je trouve quelque chose de significatif que je sais qu'une chose ne changera pas dans la pièce. Par exemple, je pourrais faire ceci. Voilà. Voilà, on va prendre ça, c'est notre main. On va
va dire, yep, comme ceci ici, comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'en fait ici, en ayant de ici à là-bas, donc l'utilisateur, il veut venir jouer, admettons que l'utilisateur il est là, on lui donne la manette Xbox qui est ici, comme ceci, ok. On lui dit, bah, pour jouer, il faut mettre ta main aux deux endroits qui sont avec le petit sticker des mains, donc il est là, il va faire ceci, le jeu va lui dire, c'est bon, on a trouvé ta main, on va lui afficher un truc, on va lui dire d'aller à l'autre, il met sa main là, et là on aura en fait la distance des deux murs et plus ou moins leur orientation, donc normalement on devrait pouvoir recalibrer la pièce. C'est moins précis que d'utiliser les manettes, évidemment, comme vous le doutez, parce que les manettes ici elles sont bien précises, quoi. Donc en gros, ici, si je fais ceci, alors l'autre solution c'est de ne pas utiliser les manettes. Enfin, le problème c'est que l'avantage des manettes c'est que c'est précis, le désavantage c'est qu'il faut les trackballer partout. Par exemple, ici je les ai paumés et je sais pas où elle est, c'est pas grave. Alors, du coup, on est bon. Disons qu'on est bon, il faut que je sauvegarde. Alors, elle est où ma manette? Elle est où ma manette? Je crois que je vais par là. On va faire. Admettons que je veux sauvegarder. Voilà. On va dire que on veut se téléporter, c'est quand on veut bouger. Genre, on va aller là. Comme ceci. Ah merde! CTRL Z, CTRL Z. Undo. Ah non! Non, en fait, se téléporter, ça bouge et donc du coup, ça déplace tout le truc et c'est pas une bonne chose pour nous. Du coup, on a tout décalibré, donc ça, c'était très très mauvaise idée. Et maintenant, je ne pourrais plus le recalibrer. Donc là, de toute façon, c'est la fin de l'exercice. Dans tous les cas, ne touchez pas à ce bouton si vous faites de la calibration. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on est content, on veut l'exporter. Alors, on va aller ici, on va dire qu'on enregistre. Yep. Voilà, on va devoir prendre une petite photo pour rappeler ce que c'est. Là, on prend ceci comme ça. Add the sketchbook, ok. Ici, vous pouvez voir que maintenant, dans Your Sketch, on a le truc avec la pièce. Donc on va vouloir soit se loguer, et du coup on l'aura sur notre compte là-bas, avec Sketchfab ou avec Google. J'ai pas envie de faire ça maintenant. Soit on va dire qu'on veut l'exporter. Il y a plein de. Vous voyez que ça fait longtemps que je suis plus venu, ils ont rajouté des trucs sympas apparemment. Sélection, e-paint, spine. Alors, un truc qui est cool, si c'est comme dans le temps, techniquement on peut les. Transparent tool, guide. Caméra basse, ça a l'air d'être trop cool. Alors ça c'est aussi un truc qui est chouette, c'est admettons que vous voulez dessiner sur quelque chose de plat, vous faites comme ceci, et vous faites comme ceci, vous prenez ça et vous faites comme ceci. Maintenant si vous voulez quelque chose de hop rond. Où est-ce qu'il est? Voilà, vous voyez, c'est super pratique pour dessiner. Bon, ici, du coup, en l'occurrence, nous on s'en fout. Donc on regarde l'arrière. Voilà, mais c'est très pratique si vous voulez dessiner une certaine forme dans votre pièce. Comment on fait pour attraper? Normalement, c'est attraper, c'est comme ça, mais apparemment. Bon, en gros, il y a moyen. Ah ouais. Prenez ça et vous faites ça pour vous débarrasser du design. Alors si vous voulez prendre ça et mettre ailleurs, vous faites comme ceci. Et voilà, comme ça vous pouvez les arracher. N'est-ce pas le principal? C'est quoi Fly Mode du coup? Bon, c'est pas grave. On veut exporter. On enregistre. On va dans Upload, mais il ne voudra pas me laisser faire ce qu'il faut qu'on signe. Donc on va faire More Option.
Alors, polygone librairie, on s'en fout. Ça, c'est si on veut charger des polygones. Genre, si on veut charger un modèle 3D, on peut aller le chercher. What should done? Alors, ah, plus. Ah, ils vont quand même en retirer, vraiment retirer, retirer, quoi. Ok, setting, help, about, change language. Ça, on a utilisé. Hop, turn experimental mode. Unswap, tutoriel, usage, donc ça, on s'en fout de tout ça. Ah, export, voilà. Donc du coup c'était dans lequel? C'était dans more lab export. Regarde ce que c'est les autres. Mode pin. C'est pas mode pin. Crois que ça veut dire qu'on peut pin. Je sais pas à quoi ça sert, faudrait que je regarde. On s'en fout. Export. Voilà. Il fait un export. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'il a sauvegardé tout ça sous la forme affichée sur mon casque. Donc, a priori, je peux sauvegarder et je peux aller sur mon PC. Donc ici, vous voyez, on est content, on va exporter tout ça. Alors, on quitte. Il y a plein d'autres outils. Par exemple, typiquement, je vais vous montrer dans JSUI. Mon outil préféré, c'est Gravity Sketch. Pour qu'à faire. Ça, on exportera, on importera deux. Gravity Sketch, ça ressemble à ceci. Vous faites nouveau script, nouveau sketch, comme ceci. Voilà, vous voyez, les mêmes mains. Alors, lui, pour passer en VR, il faut enlever son casque. Vous voyez? Il faut le. Hop là. Comme ceci. Ok? Donc, nous voulons dessiner quelque chose. Voilà. Ici, on peut mettre, hop, par exemple, des cubes. Comme ceci. Voilà. Par exemple, je veux dire que je veux mettre un cube ici. Voilà. Et sur ce cube, je veux mettre tout un code. Comme ceci. Comme ici. Ta-da! Bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les autres options. Et l'option la plus impressionnante que je trouve, c'est celle-là qui représente bien ce que ça fait. Alors, vous voyez que ici, j'ai une sorte d'axe. Je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Wouh! Tadam! J'ai un magnifique vase antique. Bon, l'intérieur est un petit peu fort, mais là, c'est pas vraiment ce que je voulais coder. On va le retirer parce que bon, c'est un petit peu pas ce que je voulais. Voilà. Et on a un magnifique vase pour mon niveau. Tada! Pratique, hein? Bon, toi je vais te supprimer. Alors, admettons que j'ai envie de l'éditer. Vous venez, vous sélectionnez tout ceci et vous cliquez sur le petit bouton ici, éditer. Vous prenez la courbe et vous pouvez la changer. Voilà. Bon, par contre, vous avez vu que je suis extrêmement bon. Ici, ça va nous permettre de remonter le temps. Voilà. On va juste dire que je suis pas fan de cette partie-là. On voulait qu'elle soit un peu plus comme ceci. Ouais. On valide. Et voilà. Mon magnifique vase. Admettons, il y a plein d'autres outils. Typiquement, il y a deux outils qui sont très très utilisés. Je vais essayer de retrouver Snapping. Alors. Scale Snap. Read contrôleur visibilité, ghost mode, snap, patio visible, alors, comment est-ce qu'ils faisaient les gens? C'est snapping quelque chose. Ça, on s'en fout. Drive, on peut mettre si on veut. Mirror review mode. Mirror, vertical lock, home, fine, hide. Smart move, surface contour.
Alors, apporter, c'est si vous voulez mettre des objets. Genre, admettons que vous voulez mettre ceci. Vous pouvez prendre ça. Ceci. Et en fait, vous allez pouvoir. À cause du grind, ça va faire des mauvaises choses, non? Hop là, voilà. Et en fait, je vais pouvoir le prendre, le passer en mode élite. Voilà. Tadam. Tadam. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Ok, bon, c'est pas le but. Si je suis en train de tout vous perdre, de simplement. Alors, si je veux lui casser son bras, je crois qu'il y a un outil pour ça, je sais plus c'est lequel. Comment est-ce qu'on le casse? Break. Je sais bien qu'il y a moyen de casser le bras pour pouvoir bouger l'enchant. On s'en fout, on revient en arrière. Quand même garder mon magnifique vase. On va aller enlever le grite parce que c'est vraiment pas idéal. Pour ça, préférence, identity, on va retirer le grite parce que c'était pas idéal. Scale, video tips. J'ai fait de la merde. Ok, alors, voilà, ça c'est mon fameux pot, on va le laisser là. Vous avez évidemment le bon vieux. Ceci, ceci, vous avez des trucs un peu plus fins, genre on le voit presque pas, mais il y a une ligne ici. Alors, si je veux les déplacer, je sélectionne comme ça, tadam! Et si je veux les supprimer, je pousse sur le rouge. Yep. Ça, c'est si on veut faire du volume. Pas si c'est idéal de faire ça, mais voilà, j'ai créé une tête de chien. Tadam! Bon, tout ça pour dire, ce qui est surtout pratique, c'est le fait de faire ceci. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va aller ici, on va demander d'avoir une toile. Alors, vous avez du low poly ici qui permet de faire ceci. Voilà, ça permet de faire des toiles low poly. Encore, admettons que j'ai besoin de faire la forme ici pour faire. Yep. Voilà, et que ici, je vais pouvoir avoir une sorte de volume de la toile. Bien ici, si je veux dire que cette zone-ci, c'est mon truc, c'est pratique, mais c'est pas idéal. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Ceci. On va dire qu'on veut quelque chose qui soit en courbe. Ce qu'il est lui. Je sais que j'en ai un. Ça qui est spécial. C'est pas grave. Ça, c'est le poly. Nous, ce qu'on veut, c'est du sheet. Voilà. Alors, le sheet, il permet de faire ceci. De manière beaucoup plus smooth et voyez. Hop là. Là où vous allez pouvoir faire vraiment. Suppose que juste ça, vous voyez genre le genre de jeu qu'on peut faire avec ça. C'est trop cool. Tout ça, encore une fois, c'est exportable. Donc en gros ici, si je veux faire mon petit pont. Hop là. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, je peux le prendre. Éditer et venir le taper correctement.
qui est tout ça est évidemment exportable dans Unity. Voilà. Vous voyez l'idée, donc on peut faire des courbes, des sortes de courbes comme ceci, et puis les exporter. Si vous devez faire une sorte de truc qui était ceci, par exemple, vous pouvez faire ici sheet. Si vous allez ici prendre ça, vous allez faire ceci pour dire qu'il y a un petit peu de volume, comme ceci. Vous allez faire ça, vous allez faire ceci. Alors ça n'a pas marché. Non. Alors, nous ce qu'on voulait c'est ceci, mais avec vraiment une grosse courbe. L'eau police, si tu veux. Tout ceci. Ouf, non, pas l'eau police, pas l'eau police. Et voilà, bon, c'est pas parfait. Et ça, je vais faire une sorte de rideau ici sur la partie là-bas. Bon, mon cher, on va le supprimer. Ok, et par exemple, on va refaire ici. CTRL Z. Si j'ai eu 2-3 petits problèmes techniques. Voilà, on va recommencer. Et voilà, on voit où on met les dos dans le jeu souvent. Donc il faudra le collider là-bas si on veut faire un jeu dans d'autres trucs. Bon, vous voyez un peu l'idée. C'était juste pour vous montrer cet outil qui est juste magnifique, à vous montrer un peu le design de dessin. Plein d'outils comme ça. Alors, maintenant ce qui se passe, c'est qu'on va devoir exporter tout ça. Mais avant tout ça, je vais vous montrer une dernière étape, qui est le Guardian de Facebook. Admettons que je quitte cette application, parce que je ne vais pas sauvegarder ce que j'ai fait ici dedans. Je pourrais, mais je n'ai pas envie. On va pouvoir faire un Guardian Scan. Alors, le Guardian Scan... Il est un peu particulier, je crois que je dois aller dans... On va essayer de le retrouver, ça doit être dans Settings, Physical Space, Space Setup. Voilà, vous voyez, ça c'est les trucs que j'ai sauvegardés, je voudrais en Setup 1. Start Over, voulez-vous scanner? Oui. Voilà, donc ici, ça c'est le menu de scan. En gros, ici, il va me dire, voulez-vous commencer à scanner? Je vais dire oui. Ici, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mon temps pour scanner bien la pièce. Ici, vous voyez que j'ai besoin de lui dire que là-bas, il peut passer. Là-bas, il y a des câbles et tout, mais c'est scannable. Là, ici, il peut scanner. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ok, on est bon. On ligne le shop. Ah, ici il y a un trou. Je ne sais pas s'il va le choper. Non, vous n'en avez peut-être pas, parce qu'il faut qu'il arrive à comprendre qu'il y a mon dessus de lui. Ah, trop tard. On va choper la fenêtre. Si la chaise, on va la prendre comme ceci dedans, c'est même faut que je la bouge. Alors, si vous voulez pas votre chaise dans la chaise, dans la pièce, vous faites ceci. Scannez une fois comme ça. Voilà. Puis vous y retournez pas.
on est bon de ce côté-là. Ici, il faut que je scanne un peu ce truc-là pour qu'il arrive à comprendre ce que c'est. Voilà, on est bon. On va dire c'est bon. Et alors voilà. Là, il avait réussi à comprendre que c'était mon lit. Alors le truc, c'est que ici, on va essayer de l'ajuster. Hop, hop, hop. Ceci. Ça. Ça. Hop. Ça. Ici, il a compris que c'était ma fenêtre. Alors, il a bien mal placé ma fenêtre. Je ne sais pas si moi, il l'a déplacé. Oui, je vais remettre moi-même. Là, il n'a pas compris ce que c'était. On va lui dire que c'est un radiateur. Voilà. Là, il a compris ma table. Ma porte, il l'a compris. S'il a compris qu'il y a une zone un peu bizarre où il ne veut pas que j'aille. Par contre, il n'a pas compris jusqu'où ça allait. Hop. Ici. Ah, donc ça, je ne veux pas que les gens aient là-bas. Ça, c'est ma TV, je crois qu'il l'a compris, mais... Alors, par contre, je crois que je vais voir ce qu'il va me laisser. Le... Je regarde si je peux le déplacer avec... Comme ça. Voilà. Hop là, ah, ça c'est ma TV. Ça c'est mon espace de travail, je crois qu'il a compris que ça c'était des autres trucs qui bloquent. Par contre je vais les retirer parce qu'ils sont pas bien foutus. Voilà, ici on va prendre ça, comme ça. Ça, il a compris qu'il y avait quelque chose, mais il n'a pas bien géré la... Voilà. Ça, il l'a comprimé. Bon, allez, c'est comme ça celui-là. Il est bien comme ça. Ça, on va dire que c'est bon aussi, même si je peux faire des... Si, comme ça. Là, il n'a pas compris celui-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est plus ou moins bon. On va pas commencer à chercher un peu le perfectionnisme. Comment est-ce que je peux l'annuler celui-là? Comment on fait pour le supprimer? Bon, pas grave, je vais m'en servir pour faire ce truc-ci. Voilà. Ok, on est bon. On va dire que c'est bon. Et on va dire que c'est l'endroit où je dors, primary bed. Confirm bedroom, yes. Voilà, donc ça veut dire que maintenant, en fait, il a maintenant compris que c'était ma chambre. Primary bedroom, ici. Ce qui veut dire que la prochaine fois qu'il arrivera à comprendre cet espace-là, il va essayer de replacer tous les objets dedans. Alors, du coup, si par exemple je lance, je sais pas, le jeu qui est ici, le 50. Vous allez voir que du coup il va charger ma pièce et il va s'en servir. Je vais vous montrer. S'il ne me demande pas de la rescanner. Mais. Yup, be careful. Oui, t'inquiète. Voilà. Is he a fin about floor into your room? Catch as many as you can.
Vous voyez qu'il m'a pété mon ceiling. Tata. Je regarde si je peux mettre le son. Il y a le son. Je vais le mettre à fond pour que vous l'entendiez, mais. Vous voyez que maintenant, tous les points qu'on a scannés tantôt, ils sont là-bas. Vous voyez, ça c'est la pièce, ça c'est le lit, ça c'est le mur, ça c'est la créature qu'on doit tuer. Il n'a pas pris la derrière, évidemment, vu qu'il n'a pas été jusque-là, il essaie de faire remonter le plat. Tout ça, c'est les points de construction qui ont permis de faire le mesh 3D dont vous avez accès. Et donc en gros, on peut tirer sur toutes ces parties-là. Alors là, vous voyez qu'ici, il est mal placé. Il est mal foutu. Donc du coup, on peut voir le... Mais par contre, ici, on peut voir que c'est un peu mieux placé. Et alors ça, c'est la partie intéressante, c'est que vous pouvez du coup tirer sur les écrans. Vous voyez qu'ici, il n'a pas pris... Il a utilisé le mesh 3D, il n'a pas utilisé d'objet. Normalement, là, on a un objet, et il n'a pas pris. C'est vraiment le mesh 3D qu'il utilise ici, ce n'est pas les objets de la pièce. Ce qui est compréhensible parce que cette application était faite avant les fournitures de la pièce. Bon, on ne va pas continuer parce que les jeux durent 20 ans. Vous avez compris l'idée. Vous voyez que je peux tirer ici en dessous, ou que j'ai scanné en dessous. Et je peux aussi tirer sur ce genre de trucs. Bon. C'est pas de faire ça, c'est d'exporter le mesh d'Unity, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on dépose les manettes. Yep. Voilà, on reprend notre chaise, mettre ça ici, ça si on en a besoin c'est là-bas. Hop hop hop. Ok, alors on ferme le rendu. Yep. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est de chercher le fichier. Alors, chercher le fichier. Vous pouvez le faire de deux manières différentes. Soit ici, si vous voyez votre quest là-bas. Le problème, c'est qu'il apparaît pas toujours. Et ici, si je fais ceci, comme ça, ça arrive. Voilà. On vient d'entendre tout le doudou. Alors, est-ce qu'il va apparaître? Il n'est pas apparu. Alors, le problème, c'est que justement, normalement, il est censé apparaître là, mais il n'apparaît pas toujours. Du coup, c'est pour ça que les logiciels comme SideQuest sont assez pratiques, que vous pouvez faire vous-même avec ADB. Mais on va aller dans notre fameux dossier, ici. On va aller dans les applications. Alors, on a Gravity Sketch là-bas. Est-ce qu'on a OpenBrush? OpenBrush. Export. Voilà. Unit machin, et nous c'est ça qu'on veut. On va dire qu'on veut copier ça. Donc ici il dit copie le file to your clipboard. Et... Sauf que nous ce qu'on veut c'est surtout l'enregistrer là-bas. TMP save to PC. On va aller prendre ça. Apparemment c'est qu'un seul fichier. Non. Voilà, on va aller là-bas. Ok, donc on a notre fameux export. On va prendre cet export, comme ceci, et on va aller dans Unity. Donc je vais ouvrir n'importe quel projet Unity que j'ai pour le moment. Hop hop hop.
Là, on va dire Q ou delete me. Parce que le but, c'est juste de vous montrer et puis de supprimer. Pendant ce temps-là, on va pouvoir aller en ligne. GitHub. Voilà. 2024-07-09. Room scan. With open brush. Comme ceci. Package of my room. In open brush. Ceci, public, créer, pendant que il est en train de créer le d'ouvrir le projet Unity. On attend que ça s'ouvre toujours. Voilà. Alors, limite, en fait, je peux presque directement faire ceci, hein. Basiquement, je peux faire hop, voilà, sauvegarde. Donc, du coup, il sera dans le projet, comme ceci. On va dire sauvegarder. Donc là, en gros, basiquement, je viens de déposer les fichiers de ma pièce directement dans le projet Unity, ce qui ne le rend pas, ce qui ne transforme pas ça en un package Unity. Mais ce qui pourrait le transformer dans un package Unity, c'est si je fais ceci. Répertoire. On va prendre un de mes vieux packages, genre celui-là. On va aller chercher le package JSON. On va voir ça. Ceci, on le copie. Vous voyez que le fichier s'appelle package.json. Ici, on va retourner dans notre room scale machin. On va ajouter un fichier. Voilà, qu'on va appeler package.json. Copier. Ici, je vais l'appeler room scan open brush Eloi. Bedroom. Comme ceci. Bedroom. Voilà. In open brush. Ceci. Voilà, description. Scan with open brush of the bedroom. Et voilà. Si ça, on le vire parce qu'on n'en a plus besoin. On sauvegarde. Et je crois que j'aurai des erreurs parce qu'il me manquera des metafiles, mais je pourrais déjà l'utiliser comme un package. Donc ici, basiquement, on va aller sur le projet. On va dire qu'on veut le cloner. Alors ça, c'est la façon dont un développeur le ferait. Je vous montre après avec GitHub App, parce qu'on l'a utilisé GitHub App hier. Là, je le fais en version développeur. D'accord? Je copie. Voilà. Je viens ici, je crée un petit dossier. Je vais appeler p pour package. Je vais faire cmd git clone comme ceci. Voilà. Et ici, vous allez voir que maintenant j'ai mon fameux petit package. Hop là, ici. Hop, hop, hop. Voilà, tadam! Alors, l'idée ici, c'est que si je crée une nouvelle scène, oh, je pourrais littéralement sauvegarder cette scène-là parce qu'il y a déjà le drone dedans. Package, room, drone in my room, comme ceci. Voilà, j'ai, hop. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un autre outil dans ce projet-ci qui est un petit drone qui vient de l'outil qui est là-bas, Root of Knowledge, qui est quelque part ici. Un des trucs que j'ai fait avec les étudiants qui s'appelle, qui est un drone, basiquement. Donc, du coup, vous voyez que ici, hop là, j'ai un magnifique petit drone qui est disponible. Donc, du coup, si je branche une manette, et je cherche une manette. Voilà. Alors l'exercice commence à devenir un peu long et un peu complexe, donc il faudra que je recommence la vidéo, mais je vais terminer cette vidéo-là parce que ça donne un bon exemple quand même de
de ce que j'essaie de montrer. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, j'ai mis une petite manette. Je fais play juste pour vous montrer. Voilà, j'ai un drone. Et je vais pouvoir, hop, le faire avancer, le faire reculer, le faire tourner, et hop, hop, hop. Tout ça, c'est parce que j'ai un package de drones qui se trouve... Yop, 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 si on clique sur le drone, ici, alors désolé pour le, qui se trouve, je disais donc, qui se trouve là-bas, drone of knowledge dans package copy. Bon, en gros ici c'est pas une bonne chose que je vous montre ça parce que c'était dans un projet d'EatMe où j'ai mis des projets pour faire une sauvegarde, donc je vais vous remontrer dans l'autre vidéo plus simplement comment en faire. Mais ici, ce qui m'intéressait surtout, moi, c'était de vous montrer comment on fait pour apporter ce qu'on a apporté, donc hop hop hop, qui est ici. On a notre fameux projet, on l'a en GLB, on l'a en STL, et on l'a en WRL. C'est tous des formats qu'on ne voit pas Unity. Le GLB, peut-être que Unity va le comprendre. On va essayer celui-là. Vous voyez qu'il m'a déposé les textures des brushes, ici, et qu'il m'a déposé ceci. Alors on va essayer de le mettre ici, et on voit que ce n'est pas disponible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le transformer. On va ouvrir Blender, comme ceci. Voilà. On va dire qu'on veut apporter un asset. Donc on va dire show-moi, show me explore ceci. Voilà. Et on prend ce truc là. On va aller dans Blender. On va dire qu'on veut apporter un GLB. Est-ce que vous voyez GLB ici? Dire il est plus ou moins ici. Et il me dit qu'il n'y est pas arrivé. Ok, c'est pas grave. Vu qu'il n'y est pas arrivé, on va importer l'autre. Importer STL. Voilà. Donc j'ai ma magnifique pièce ici en ligne que je vais exporter dans Unity. Donc cette magnifique pièce, on va faire yop yop yop, exporter en format FBX. Ou en OBG, on va utiliser FBX ici en l'occurrence, on va dire ici comme ceci, on va nous créer un petit dossier FBX, voilà, room, et peut-être room, bed, et loi, comme ceci, exporter. On retourne dans Unity, on va pouvoir prendre notre room et on va pouvoir la déposer ici. Tadam! On a notre magnifique pièce. Alors, ici, cette magnifique pièce, on a bien circulé dedans. Donc, je vais juste faire en sorte que ma caméra suive le drone. Follow drone transform lerp. 2-2. What target le drone là-bas. What to move my camera. Use late update. Yes. Voilà. Ma room elle est comme ceci. Alors on va déjà voir ce que ça donne. Max to play sans rien toucher. Voilà. Alors. Pourquoi il avance pas? S'il avance, c'est juste que la pièce est immensément grande. C'est bien ce qui me semblait. Donc si j'ajoute un cube, comme ceci. Vous allez voir que le cube il est tout petit, et en fait c'est parce que la pièce elle est beaucoup trop grande. Donc ce qu'on va aller faire, c'est sélectionner le mesh de la pièce, lui dire qu'il a une dimension qui est 100 fois plus petite. Je crois que 100 fois c'est déjà bien. On va appliquer ça. Alors ma pièce elle est où? Elle est beaucoup trop petite.
Ça, c'est la pièce. Ça, c'est mon cube. Alors, la rotation, elle était bonne en fait. Donc, on va mettre moins 90. Comme ceci. Alors, est-ce que ça représente plus ou moins. Est-ce que ça a l'air d'être bon? Ça a l'air d'être bon. Hein. Mon bord fait moins d'un mètre. Ouais, on est bon, on est bon. Donc, c'était 100 fois l'unité de proportion. On était sûrement en unité est égale à 1 cm ou 1 mm. Et donc voilà, donc je vais enlever mon cube pour le moment. Alors vous voyez que le problème pour le moment, c'est surtout le fait qu'il n'est pas sur le sol. Donc on va prendre notre room, on va le déplacer comme ceci. Voilà. On va créer un poids vide, on va appeler room center ceci. On va mettre notre petit truc dedans, comme ceci. On va mettre notre petit cube qu'on va appeler cube 1x1x1 pour se souvenir que c'était ça la dimension de notre pièce. Alors, il y a un petit problème. Shit. Hop. 0, 0. Ceci. Voilà. Notre cube, il faut qu'on le monte un petit peu. Voilà. Et on a notre pièce. Alors, on va désactiver le cube parce que le but, c'était juste de... Voilà. On a notre fameuse pièce. On va pouvoir construire notre niveau tout autour de cette pièce-là. Donc, si on voulait faire un niveau dans ma pièce, dans ma chambre. Donc, si je fais play... Hop là. Vous voyez que... Vous fait visiter hein. On a mes fameux ordinateurs ici. Tadam, qui sont là. Ici on a notre vous voyez qu'il est inversé. Normalement mon tableau il est ici à gauche. Donc on va inverser ça. Alors si vous voyez qu'on voit le tableau qui est là alors qu'il est censé être là. Alors comment est-ce que je peux inverser ça? Est-ce que si je prends ça ici et que je fais moins x, on est bon. Donc en fait l'axe était inversé, c'est le problème quand on passe d'un éditeur à un autre. Voilà, donc on reconnaîtra ma fameuse main ici qui est à côté de la fameuse porte qu'on avait. On a ici notre fameux trois trucs blancs. On a notre poids de départ là-bas. Ici, qu'on va pouvoir faire you ici. On a mes ordinateurs qui se trouvent juste ici en dessous. Hop, donc on va hop passer dans le cerceau là. Il me demande de passer dans le cerceau ici. Il me demande de passer là. On passe à côté du tableau blanc ici. On va passer à côté de ma fenêtre. On passe à côté du fameux tableau, là la main de calibration, on passe là-bas, hop, on descend d'un étage, on passe là-bas, on descend d'un étage, on passe là-bas, hop hop hop, on revient ici au-dessus et fin de la course. Tadam! Alors vous voyez que le problème c'est que ici on ne voit pas toutes les lignes. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas toutes les lignes? Parce qu'en fait dans Unity on n'a pas une double face, on a juste... une face, en fait on affiche que les triangles d'un seul côté pour faire des économies de ressources. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ça? Vous voyez que ici on a un matériel pour l'ensemble ici, ce qui n'est pas idéal parce que quand j'ai exporté apparemment avec un seul, sûrement parce que c'est du STL. Donc en gros ici ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit matériel. Donc on va dire montre-moi le 3D là-bas. On va aller dans notre fameux projet, on va créer un petit dossier qu'on va appeler matériel, ceci. Dedans, on va créer un petit matériel, comme ceci. On va appeler mat room line, des doigts, bed, ceci. Je vais le déposer ici sur le truc. Je vais dire que je veux voir des deux côtés, comme ceci. Et je pourrais, par exemple, décider de dire que c'est du unlight, pour pas être dépendant de la lumière. Voilà. Et du coup, on a toutes nos lumières ici. Tadam!
Donc maintenant, si je sauvegarde, j'aurai plus facile de courir la course, hein. Voilà. Et hop. Alors. Hop. La course, elle est là-bas. C'est parti. Je me mets ici. Oups. Youp, youp, youp. Hop. Ici, je passe par là-bas. Je viens là-bas. Hop, hop, hop. 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 You. Hop. 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 Et finish. Tadam! Et notre fameux château, il est là-bas. Vous voyez? Tan, 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 tan. Là, c'est le fameux château qu'on avait tantôt. Et donc voilà, c'est basiquement une petite exploration de comment on peut utiliser OpenBrush pour faire du level design en groupe. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, cet outil-là, on peut l'exporter. Alors, je vous montre comment on fait ça. On a notre fameuse scène, on va l'enregistrer. On a notre ça, on va peut-être mettre la caméra en noir. Skybox color noir, comme ça sera plus facile. Voilà, on est content de notre outil. On va ici dire qu'on est d'accord sur notre plugin, qu'on veut le mettre en ligne, qu'on va faire CMD. Alors normalement on est censé le nettoyer, on est censé mettre des beaux petits dossiers, des beaux petits trucs, mais ici je vais vous montrer at commit. -m save pull push. Donc là, je viens de mettre le code en ligne. Admettons du coup que je veux passer ce code-là à un de mes potes. Donc je dis, mon pote, pour travailler là-bas, tu auras besoin de la même pièce que moi. On va utiliser cet outil comme calibration. Alors déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est être sûr et certain d'avoir un préfab. Pour être sûr de dire, ok, dépose ce préfab et on va partir de ça. Donc en gros, on va prendre le room ici. On va aller dans notre. Je vais fermer celui-là parce qu'il est en trop. Ceci. Voilà. Alors, on va aller dans notre outil. Ici, on a déjà une scène, ça c'est chouette. Scène. On va avoir un préfab. Ceci. Voilà. Et on va avoir un mesh 3D. 3D. Comme ceci. Notre 3D, on va le déposer dans 3D. Notre scène, on va le déposer dans scène. Et ici, notre scène, ça, on va le mettre dans préfab, comme ceci. Alors, le problème, c'est que lui, il aura son propre drone. Alors, soit je le laisse et je pars du principe qu'il doit avoir le plugin de drone dedans, soit je le laisse pas et c'est à lui d'ajouter son drone. On va partir du principe que on n'a pas de drone dans la pièce. Voilà, on n'a pas de. Bah, les lights ici, parce qu'on a besoin de les voir. Voilà, on sauvegarde. On essaie d'avoir le moins de dépendance possible pour notre outil. Ok. Alors moi j'ai un outil qui me permet de faire du git. Donc vous voyez que ici si je fais comme ceci, ça me permet de faire du git. Donc ici je peux faire add, commit, pull, push, comme vous faites en ligne de commande ou avec GitHub Desktop App. Je vais faire juste ici, je mets tout en ligne. Hop, 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 c'est en train de sauvegarder. Si je vais sur le serveur. Vous voyez que, oh, on a tout qui est mis à jour, on a notre fameuse scène et tout. Alors, on va copier ça. Et on va aller sur l'ordinateur de l'étudiant. Alors, l'ordinateur de l'étudiant, il est Mirabox, il est là-bas. Souvenez de l'ordinateur de l'étudiant hier? Ah, par contre, je vois qu'il a. Ah, il a un problème. Parce qu'il s'est pas mis à jour. Alors, Mirabox input, 2 secondes, je fais un problème, il y a un problème avec OBS. Salut! Voilà. Ah ben vous n'avez pas vu le salut? Peut-être si. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'ordinateur de l'étudiant là-bas, on va retourner dessus. Ok, alors. On ouvre le petit projet de l'étudiant, donc on va aller dans Unity. On va ouvrir son dernier projet qu'il a ouvert, je ne sais pas c'est lequel, s'il en a ouvert un. On va ouvrir M.
D'autre que je suis pas fan d'ouvrir M parce que M, je crois que c'est un de mes projets à moi et que j'ai pas envie de m'amuser à polluer un projet à moi. On va créer à nouveau. Yop. Que je vais appeler delete me. Delete me. Dans U pour Unity. Nouveau. Add. Non, c'est pas add, c'est nouveau. Un projet en URP qu'on va appeler delete me. Voilà, on va le mettre en U. En fait, c'est parce que je n'ai pas envie de choisir un nom, parce que je suis pas sûr de la thématique de cette vidéo, vu qu'elle est trop longue. C'est pour ça que je décide de l'appeler delete me. Si vous vous posez la question de pourquoi je l'appelle comme ça. Ok, donc on est en train de créer. Le but ici, c'est de vous montrer qu'on a en fait ici un ordinateur sur un projet que j'appelle un projet de quarantaine. Généralement, je me recule devant pour dire que c'est un projet de quarantaine. C'est un projet où on va travailler sur une boîte à outils. Et on a un projet sur lequel on va travailler, qui est celui de mon étudiant, qui va lui utiliser cette boîte à outils. C'est-à-dire qu'ici, moi, je peux éditer, alors que l'étudiant va pouvoir importer ça et travailler par-dessus. Basiquement. Ici, c'est un très très bon outil de collaboration quand vous devez faire un projet qui soit a une pièce fixe, soit un projet où vous travaillez à plusieurs dessus, vous faites les lignes de ce qu'il faut faire pour tout le niveau, et puis chacun travaille de son côté sur l'ensemble du niveau. Basiquement, c'est basique. C'est ça qu'on va faire ensemble lors du cours. Mais que ici, je ne peux pas travailler dans celui-là parce que celui-là, c'est mon projet multijoueur de drone, de drone sucker. Donc je ne peux pas utiliser celui-là. Donc on va le fermer. J'aurais pu, par exemple, mettre le drone sucker dans ma pièce. On attend que ça saute. En attendant que ça dessous, on peut essayer de nettoyer un peu. Donc on a notre package, on a notre README, on a le set, on a ça, on a le matériel. Oui, on est content. Pam pam pam. Si on veut ajouter des murs, on peut en ajouter simplement en faisant ceci. Comme ceci. Voilà. On peut par exemple prendre ça et le tourner pour qu'il soit droit. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir ajouter ici, hop, un fameux cube. Voilà, un invisible wall. On va l'étendre comme ceci. Voilà. Ce cube, on va le bouger. Voilà, ici. Ici. Comme ceci, on va le monter jusqu'au-dessus du toit. Voilà. Et on a notre mur invisible en soi. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire ça jusqu'à ce qu'on voit plus de blanc. Alors le problème ici c'est que je crois que j'ai ma fenêtre dedans. Bon, c'est bon. Ouais, c'est pour ça que ça vaut la peine normalement de mettre pas mal de petits indices sur les murs pour savoir jusqu'où ça va. Par exemple la fameuse grande ligne qu'on avait mis ensemble. Voilà, je vais appeler ça room space. Je vais retirer le collider. Voilà, et je vais créer un nouveau matériel. Et en fait, je suis en train de faire ça sans que vous puissiez le voir parce que c'était pas le bon. Bon écran. Hop. Room. Invisible wall space. Comme ceci. Voilà. On va le transformer en du transparent. On va changer sa couleur en vert. On va diminuer fortement et voilà. Donc ça, c'est le fameux espace des murs, vous voyez? Ok. Donc si je voulais ajouter des murs invisibles, maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter des gros cubes, comme ceci, et de les whoop, faire ceci, comme ceci,
Le cube. A de cube. A de cube. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire ceci. Ensuite, on ajoute deux autres cubes. Voilà. Alors, il y en a un, il va au-dessus. Il y en a un, il va en-dessous. On le fait grossir comme ceci. On va sur le côté, on le fait grossir comme ceci. Voilà. Ensuite, on vérifie que tout est bon. Oui. Ça a l'air d'être chouette. On désactive le rendu. Voilà, donc on peut voir que ça fait bien l'entièreté du tour de la pièce. Et on va désactiver le fait de le toucher ou de le voir. Et voilà, on a nos fameux murs. Donc ça veut dire qu'ici, si je dépose un drone, il ne pourra pas sortir de des boundaries. Donc ça, on va pouvoir du coup mettre à jour le préfab. Apply. Comme ça, ça va le mettre à jour chez tout le monde. Du coup, je dois le add commit pull push. Donc je sélectionne mon fichier ici. Je vais aller dans mon outil que vous n'avez pas pour ne pas devoir faire les lignes de commande. Je dis que je mets à jour mon plugin. Voilà. Et on est bon. Alors, maintenant qu'on est sur l'ordinateur de l'étudiant, on va choper le fameux lien à copier. On va aller sur l'ordinateur de l'étudiant. On va aller en Windows, Package Manager. On va ajouter ceci avec un git URL. On ajoute le git URL, on fait ceci. Et alors, vu qu'on a mis un fichier qui s'appelle package.json avec les informations du package, vous pouvez voir qu'on a Bedroom Hello OpenBrush ici et qu'il l'a importé. Donc du coup, je vais pouvoir aller dans Hello Bedroom, aller dans Prefab, déposer le Prefab ici et qu'est-ce qu'on retrouve sur mon autre ordinateur? Waouh! Alors le truc, c'est que j'ai besoin de pouvoir voler avec un drone. Donc du coup, je vais aller sur Internet. Yop, yop, yop. Je vais aller sur GitHub. Voilà, j'ai cherché Root ici. Of Knowledge, parce qu'en fait, c'est un plugin de drone que j'ai à moi. Je vais copier ce truc. Je vais retourner dans le projet de l'étudiant. On va dire qu'on veut apporter un package. On veut apporter ce truc-là. Ah oui, non. C'est ici. On va apporter ce truc-ci. Il est en train d'ajouter le package. Donc maintenant, j'ai ajouté Root of Knowledge Drone. Pala, 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 pala. Cool. Alors ici, il me dit que j'ai 2-3 problèmes de package cache parce que il me faut Input Action System et qu'il n'est pas dans le jeu. Alors, on va aller dans Windows, Package Manager. Ici, on va aller dire demander à Unity d'apporter Input System. On va lui demander d'installer tout ça. Qui est en fait le nouveau système pour les entrées clavier, les manettes et tous les OpenXR et tous ces trucs-là. Ça va nous permettre en fait d'interagir avec le jeu. On attend que ça en train de s'installer. Voilà, il va recharger le projet. En même temps que ça se passe, Unity c'est beaucoup attendre. Hein. Il redémarre le projet, je crois. Yes. Parce qu'en fait, quand vous réinstallez le input system, il doit redémarrer tout le projet. Sauvegarder, oui. Voilà, donc on va attendre qu'il redémarre le projet. Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir déposer un drone et aller jouer sur l'ordinateur là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir faire un outil pour implémenter tout ce qui est avoir un beau mur, avoir une petite lampe, avoir des cerceaux, avoir un niveau, mettre de l'animation et des trucs comme ça. On va pouvoir en fait faire tout notre jeu autour de ces structures communes que tout le monde aura. Et donc en fait ici, quand on va être dans les cours
de technocité dans le deuxième jour. Ce que nous allons faire, en fait, c'est je vais vous faire une démo de comment cet outil fonctionne hein, en prenant les mesures de la pièce. Je vais refaire cet exercice avec vous et je vais le mettre en ligne. Et donc, du coup, vous allez pouvoir travailler à 12 sur créer un niveau dans la pièce de technocité. Et donc, ça va être ça l'exercice de la journée. Donc, on aura d'abord le matin, on fait des petits cubes. L'après-midi, je vous montre comment on dessine. Et le reste de l'après-midi, on implémente cette scène-là à 12. Et donc, je vais faire peut-être un script aujourd'hui ou dans les jours qui viennent qui va en fait redémarrer une scène et recharger les packages en permanence dans le but que à l'écran, vous voyez l'évolution de tout le monde. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, c'est en train de recharger. Pendant que ça charge, on pourrait aller faire autre chose. Donc, on va aller nettoyer un peu. Alors, c'est pour ça que j'ai deux PC. Hein. C'est parce que Unity, il faut attendre tellement. Enfin, il y a plein de raisons que j'ai plus que un PC, mais il y a en partie cette raison-là. Donc, ce qu'on peut peut-être faire, c'est mettre une petite doc ici en mettant dans le README. Vous pouvez aller chercher un drone ici. You can fetch a drone to play here, comme ceci. Puis on va aller simplement mettre un petit peu de documentation en disant que y a Root of Knowledge qui permet d'avoir un drone. Root of Knowledge. Voilà. On va le mettre là-bas. Disant voilà, tu peux aller chercher ça là-bas. Alors, basiquement, s'ils veulent l'ajouter au manifeste, il faudrait qu'ils écrivent quelque chose comme ceci, s'ils veulent le faire à la main. C'est tata, deux points, tata, point, virgule. Non, virgule. On met le git comme ceci, point git. Et on va aller chercher le namespace, mais ça, c'est un détail qui est ici. Et on va aller prendre ceci, comme ceci. J'étais où ? Comme ceci, add in manifest.json or clone in package git url .git. Voilà. On va sauvegarder. Voilà, donc en fait, on a ajouté au README des informations. Donc on veut mettre à jour cela. Donc on va faire Show in Explorer. Hop. Alors, peut-être que ça vaut la peine, du coup, que je vous montre un peu comment ça marche avec GitHub App. Comme ça, je suis sûr qu'il sera installé. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas installé GitHub App. On va faire GitHub Desktop. Ceci. Pendant qu'il est installé, parce que pour l'instant, l'autre se rouvre. Donc. Tant qu'il est en train de s'ouvrir, on ne peut rien faire. Download now. Oui. Bienvenue dans Unity, où on doit attendre, attendre et attendre. En fait, c'est Sharp, déjà, il faut attendre longtemps pour que ça recharge. Unity, il faut attendre beaucoup que ça recharge. Donc les deux, l'un dans l'autre. Ouf. Bouge ton cul. Alors, télécharger, hop, on va lancer l'installateur de desktop, de GitHub desktop. Voilà. Donc il se lance, il va pouvoir me demander de me loguer, donc il va me dire pouvez-vous loguer à partir de votre navigateur ici. Je vais dire oui. Il me demande est-ce que j'ai l'autorisation de faire des choses au nom de Hello Astray. Je dis oui, tu peux. Hop. Voilà, donc il va me loguer. Il dit, est-ce que vous voulez utiliser un truc manuel ou le nom et l'adresse de votre compte? Je vais dire le nom et l'adresse de mon compte. Voilà, et on est dans cette interface-là. Alors, je vais lui dire que je veux ajouter un nouveau répertoire qui se trouve sur mon ordinateur, ici. Et on va aller lui dire où ça se trouve. Alors, ici, show comme ceci. On va prendre ce répertoire-là. On va dire qu'il se trouve là-bas. Voilà, comme ceci. Ah, j'ai oublié, et il faut que je rajoute au cours, le fait de vous montrer que pour pouvoir voir tout ça, il faut que vous ayez l'affichage. Donc, détail, non, c'est pas détail, c'est ici.
vous avez show et vous devez avoir file name extension et hidden item de cocher. Ça vous permet de voir les extensions de fichiers et de voir les dossiers cachés comme celui-là qui a un point devant. Alors, ici, vous voyez que ce qui me dit, c'est que là où on a travaillé, pour le moment, dans README, la personne a ajouté une description. Et ici, Unity, la scène, elle a changé. Donc, du coup, est-ce que vous voulez sauvegarder ça? Oui. Add, documentation, ceci. Commit, donc là, on va sauvegarder localement sur ma machine une modification. Maintenant, on veut l'envoyer en ligne, donc on va faire push sur origine, ici. Vous voyez qu'il est en train de fetch, et il l'a mis en ligne. Donc en gros, ça, c'est l'équivalent de faire ce que j'ai à de faire ici. Donc admettons ici que je modifie un peu le README, que je rajoute ici un D. D'accord? L'équivalent de faire ce que j'ai fait avec GitHub là à l'instant, c'est ceci. CMD. Git statut. On voit qu'il y a un truc qui a été ajouté. Git add. On voit que c'est ajouté à la sauvegarde future. Git commit, on sauvegarde localement. Vous voyez que maintenant tout est sauvegardé. Git pull, je me mets à jour sur mes potes. Git push, je mets ça en ligne. Voilà. Alors, toujours pas ouvert, à mon avis, il a un problème. Il a, à mon avis, un problème. Donc, pour gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est ceci. Je vais prendre ce projet et je vais le supprimer comme ceci. Delete. Et je peux le supprimer parce que je sais que de toute façon, il est sur les serveurs de GitHub. Donc, il n'y a rien à perdre à le supprimer. Voilà. Je vais aller sur GitHub. Hop, hop, hop. Je vais choper le fameux lien dont on parlait. Voilà. Alors vous voyez que maintenant si je charge la page, j'ai ma description. Alors ici nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris ça et on l'a copié dans le package manager précédemment. Admettons que je veux le faire différemment parce que j'ai beaucoup de liens à copier, j'en ai genre 5 ou 6. En fait ce que vous pouvez faire c'est faire ceci. Par exemple admettons que j'ai le drone à copier. Ah ben, je vais vous montrer les deux. Là on va télécharger la pièce. Donc ça c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc on vient ici, on va dans le plus, on dit qu'on veut ajouter. Là, c'est en train d'ajouter mon outil. Voilà. Maintenant, si je voulais, hop, 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 si je voulais ajouter différemment, ce que je pourrais faire, c'est ceci. Donc ici, vous voyez le truc du drone ici. On va dire show me in Explorer le projet. Voilà. On va aller dans Package, Manifest. Et ici, je vais ajouter, hop, cette ligne là. Ah oui non ça c'est pour le drone. Bah vous voyez ici il avait ajouté donc c'est ça l'idée. Nous ce qu'on veut pas, ce que je veux ajouter c'est pas le drone, nous c'est notre room. Donc admettons que je voulais faire un truc pour la room aussi. Ici. En gros ce qu'on aurait dû faire c'est cliquer sur le package de notre pièce, choper cette petite partie là, qui est ici. Hop, on va aller modifier le fichier. On va dire que si on veut faire des tests, on peut juste apporter ce truc-là et le drone. Et on va aller copier .git comme ceci. Vous voyez que maintenant, c'est beaucoup plus simple pour faire des copier-coller. Parce qu'en gros, ici, il suffit de faire un petit copier-coller ici. On va dans le manifeste. On remplace ça par ceci. Comme ceci. Et d'ailleurs, hop, hop, on retourne ici et vous voyez qu'il charge. Donc dès qu'il voit des modifications sur ce fichier là, il va recharger tous les plugins qu'il arrive à trouver. Donc vous voyez qu'ici il a mon bed et mon room qui étaient rechargés. Alors ici on a des erreurs qui sont dues au fait que les assets, il y a des assets qui ne se chargent pas bien. Il va falloir que je trouve pourquoi il y a ça. À mon avis c'est parce que dans... mon bedroom là-bas, je dois avoir dans 3D des assets qui sont pas idéales là-bas, ou bien les noms de fichiers sont beaucoup trop longs et il n'arrive pas à les charger. Je regarde un truc ici, STL il a réussi à le trouver, LLB il a réussi à les trouver, CLR il a réussi à le trouver.
Donc il y a un petit problème qu'il va falloir que je corrige, mais c'est pas grave. Alors, ici, un truc que j'ai qu'on peut faire, si on simplifiait la vie de la personne, c'est aussi faire ceci. Comme ceci. Voilà. Et on va aller là. Et on va dire, comme ceci, qu'il peut aussi apporter le input système. Et alors, si on voulait pas qu'il mette le numéro de version, mais qu'on veut le dernier, je sais, dans les autres langages, on peut faire ceci, mais ici, je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Une autre solution, c'est de faire ceci, Unity Input, je vérifie avec vous, système, git. Voilà. Input système de Unity. Voilà. Ici, c'est, il nous dit que c'est un package qui est pratique. Gna, 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 gna. Il devrait avoir normalement un package.json quelque part. Package. Voilà. Ici, ça, c'est notre petit projet. Voilà. J'essaie de trouver le package.json. Vous voyez que ici, ça, c'est un truc qui dit qu'on a notre input de Unity. En gros, c'est-à-dire que je pourrais copier ce chemin d'accès là, dans la théorie. Est-ce qu'il va me laisser faire? Pas sûr. Bon, je vais pas vous embrouiller avec ça, ça va être trop compliqué. Mais en gros, on pourrait dire, va chercher mon projet ici. Plutôt que de dire, prends la dernière version. On pourrait dire, non, moi je veux cette version-là. Bon, on s'en fout. Bon, du coup, ici, c'est cool. On a notre fameux projet. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous voyez que maintenant, on a notre root of knowledge ici qui est en lecture seule, qui est le truc du drone. Et je crois que c'est celui-là qui a eu du mal à charger en fait. Que je sais pas pourquoi il a pas mis le. Qu'est-ce qu'il m'a fait là-bas? Ok. Bon, il m'a fait de la merde, donc je vais essayer de corriger. Sauvegarde, histoire qu'il supprime le dossier. Désolé pour l'inconvénient. Je vais l'ajouter à la main pour voir s'il est un peu plus facile. Ça devrait pas poser problème de l'ajouter avec le manifeste. Hein. C'est juste que je sais pas pourquoi il a pas bien apporté, donc je l'ajoute à la main juste pour voir. Ça pourrait être que Internet passe pas pour, sous mon ordinateur pour le moment. Ça peut être ça. Priori, non. Bon, bah, bienvenue dans le monde d'un informaticien où, des fois vous avez des problèmes inattendus qui vous font perdre du temps bêtement. Mais de toute façon, vous avez compris l'idée parce que ici, basiquement, vous voyez que si je fais une nouvelle scène, comme ceci, que je vais dans bed et fab, tadam, on a notre magnifique scène sur laquelle on peut travailler. Donc du coup, vous, si vous voulez travailler en groupe, ce que je vous conseille de faire, il n'a pas réussi à apporter l'autre. Pourquoi t'as pas réussi à apporter l'autre? Root of knowledge. Hop, ajouter GitHub, mais y a aucune raison que ça foire, mais ça foire. Pas grave. À mon avis, il faut que je ferme Unity, que je le relance, mais j'ai pas envie de faire ça. Alors, on a notre fameuse pièce ici. Admettons que vous voulez travailler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ceci. Center, Stray, et loi, comme ceci. Dedans, je vais créer, yop, un petit cube. Voilà. Par exemple, je vais le mettre en 0,0. Voilà, admettons qu'on me dise que je dois m'occuper des ordinateurs. Voilà. Je vais faire ceci. Voilà, donc mon ordinateur, il est là-bas. Donc admettons qu'on me dise que je dois faire l'ordinateur. Yep, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà.
J'ai ajouté ma fameuse table, je peux en ajouter une deuxième. Hop, pour là-bas. Magnifique. On va camoufler le rendu, juste pour dire que sinon on va juste créer hop, un matériel. Donc en gros ici, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ceci. Folder 2024-07-09. Comment on avait appelé ça? On avait appelé ça bedroom quelque chose. Yip, 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 yip. Benroom Open Brush Eloi Stray. Voilà. Du coup, ici, ce qui se passe en fait, c'est que je vais pouvoir voir mon cube ici qui va se mettre là-dedans. Attention qu'il doit être bien en 0,0. Je le mets comme ceci. Voilà. Et qu'apparemment mon 0,0 il est là-bas. Que lui il est bien. Hop. Shit. Je l'ai pas mis en 0. On va le déplacer de 6. On est bon. On prend ça et on va faire un petit préfab comme ceci. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que en gros, on va permettre à tout le monde de travailler sur la pièce en même temps. Donc en gros, il nous faut un préfab qui soit dans la scène. Donc on va avoir 12 préfab. Et ces 12 préfab, 13 avec moi, donc on va être 13. Alors 13 préfab, et du coup, on va chacun travailler dans son propre petit préfab, avec son nom et son prénom, et ça va ajouter chacun l'ensemble de la pièce. Donc on va pouvoir décorer la pièce très très rapidement à 12, et on va pouvoir ajouter des éléments graphiques dedans. Attention que ne mettez aucun code, parce que si vous mettez du code, il faut que je vous explique comment ça marche pour le code, et c'est autre chose pour le code. Donc ici, c'est que des assets Unity. Donc l'étape suivante, si je voulais continuer, parce qu'il faut que j'arrête cette vidéo à un moment donné, ce serait de prendre ceci et donc créer un projet Unity, faire un package, le mettre en ligne, et c'est ça qu'on va partager aux autres membres de l'équipe. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est beaucoup trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous avez regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous sera utile dans la vie, et que le code soit avec vous, que le design soit avec vous, et à la prochaine. Ciao ciao!